C'est du délire. Nous sommes dans une vraie ville qui compte près de 16 000 habitants, qui est équipée de routes, d'autoroutes, de centres commerciaux. Et il y a des éléphants qui se promènent en pleine nuit, au milieu de tout ça. En voilà d'autres. Ce qui est étrange, c'est que d'habitude, les éléphants ne s'aventurent pas dans les villes. Alors pourquoi ici ? C'est une situation extrême. Un éléphant peut peser jusqu'à 7 tonnes. Et son comportement au contact des hommes reste imprévisible. Lorsqu'il se sent menacé, acculé ou contrarié, il peut réagir avec une violence colossale. Ils se rapprochent vraiment beaucoup. Il y en a un énorme. À peine une dizaine de mètres sur la gauche. Il est gigantesque. À la nuit tombée, ces colosses partent à la recherche de nourriture, entrant dans tous les jardins. Démolissant les murs et arrachant les arbres avec leurs trompes. Ce n'est pas la première fois. Chaque année, les troupeaux envahissent la ville pendant plusieurs mois. Mais après nous, c'est nous qui avons mis des villes sur leur chemin.